Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce cinquième épisode. Alors je rigole parce que vous me connaissez maintenant si vous avez suivi quelques let's play. J'avais oublié d'allumer mon micro et j'ai continué à parler depuis pas mal de temps. Et j'étais en mode, ah ouais, c'est stylé des trucs comme ça, j'avais fait des blagues énormes, c'était vraiment hyper drôle. Mais je viens de m'en rendre compte, heureusement. Et puis bah, on est parti du coup. J'espère que vous allez bien. J'espère que l'aventure vous intéresse toujours autant. Heureusement qu'on n'a pas fait de découverte majeure pendant cette période-là. J'aurais été dégoûté parce que je sais pas si on peut revenir en arrière justement. Ah, sympa ça. Quelque chose me dit que je vais avoir besoin de ce chariot. Ça tombe bien, il vient jusqu'à Mouet. Ah, je peux pas le diriger. Ça va être embêtant ça. Mais je peux le pousser en revanche. Oh! Le garde-manger! Quelque chose me dit qu'on va pas se faire que des amis ici. Quelque chose me dit que vous n'allez pas me contredire. Bon, celui-ci ne doit pas être aveugle, hein, pour que ce soit un boucher, à mon avis. Quoi? Mais qu'est-ce qu'il a, lui? Ah, mais t'es moche! Désolé de te le dire, mon gros. Mais t'es pas beau. Limite, on dirait que quelqu'un a mis un masque ou quoi. D'accord. Donc la première phase, ça y est, t'en veux plus. Ok. Ah mais je sais pas s'il peut m'attraper parce qu'il a l'air assez gros donc il est pas très mobile en soi. Et moi j'ai un chat dans la gorge. Bon, sur du carrelage on fait pas de bruit. Ah, j'ai pas la clé. Est-ce que je suis un speedrunner de ouf là ou bien... Mais il est trop petit. Eh ouais. Par contre c'est assez oppressant si tu restes ici. Oh là. C'est marrant son petit gémissement là, genre hein? C'est toi que je veux manger. Qu'est-ce qu'on a là-bas? Juste jeter un petit coup d'œil. Ouais, je garde la lumière comme ça il me voit bien. Non! Non! Oh misère! Mais t'es gros, normalement tu cours pas vite hein. C'est stylé, ma foi. Dans le poisson, direct. Mais ça veut pas dire qu'on meurt, hein. Je suis désolé, mais le fait qu'ils nous mettent dans du poisson, ça veut pas dire qu'on est mort. Non, je suis désolé, mais... Mais j'ai voulu militer là-dessus. Et les touches me portent toujours autant préjudice. Voilà, je tenais à le dire. Donc je sais pas s'il y a quelque chose à faire là-bas. Avec cet angle. Je vais emmener ça au cas où.
Alors, attendez, parce que je vois rien là. En fait, j'ai confondu le côté le plus proche avec une planche plus longue. Oh, mais il y a du poisson partout. Ça doit être génial. C'est bien conservé en plus. Juste au-dessus de la marmite. Tout le monde sait que la chaleur, ça conserve les poissons. Bon, j'ai emmené un petit bout de pain. Je sais pas pourquoi. C'est ici que nos chemins se séparent, mon ami bout de pain. Alors, il a monté le thermostat. Certes. Mais moi, qu'est-ce que je fais dans tout ça? Me dis pas qu'il va vouloir aller au Wawa. C'est occupé! Ok. Je suis désolé pour ce chat dans la gorge. Je vais essayer de faire le moins de bruit possible. C'est tout, fin du jeu? Ma foi. Vous ferez bien l'affaire. Ah non. Ah non, on est revenu là? Ah non. Tout mais pas ça. Je sais pas si lui peut monter. J'entends encore la musique. Il y a quelqu'un qui respire là. J'ignore ce que ça signifie. Ah! Vous êtes deux? Ah, mais t'es horrible! Ça y est, tu vas au boulot? Prends la clé, vite, 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 vite! Qu'est-ce que je dois faire de cette clé, moi? Allô? Ah, il revient. What up? Qu'est-ce que je dois ouvrir? Je vois une étagère là-bas. D'accord. Mais tout ça pourquoi? C'est quoi ce truc? Ah, c'est rien. Eh oui, le fail, ça faisait longtemps. Mais je comprends pas ce que je dois faire une fois que j'ai récupéré la clé. Pardon? Pardon? Réellement là? Genre, on en est là. Je comprends pas trop ce que je dois faire et c'est ça qui pour le coup me perturbe. J'ai pas vu d'endroit où mettre une clé. Si? Did I? Qu'est-ce que je fais de la clé?
Ah oui! Ah, la clé, d'accord. Oh, putain, c'est tellement loin. Il faut retourner dans la cuisine. Ok, regardez ça. Check this out. Bam, pro player. J'ai même fait une glissade tellement je suis chaud. Donc là il s'en va, bam 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 bam. Par contre, j'ai l'impression. Alors, où est la clé? Elle est là. J'ai l'impression qu'ils vont être tous les deux en bas du coup. Et ça. À moins qu'il soit allé aux toilettes. J'en sais rien. Je sais pas du tout ce que je fais. Ça m'a l'air d'être une bonne idée. Je suis désolé pour mon absence vocale. Mais si vous aviez une caméra braquée sur ma tête, vous verriez et vous comprendriez pourquoi. Je suis si silencieux. On va rester ici. Donc là, très bien. Là, il remonte. En fait, les petits triangles, ils sont pas sympas. Ils font du bruit. Pour l'instant, je trouve que je maîtrise extrêmement bien cette séquence. J'ai les doigts qui glissent à fond sur la manette, tellement je suis stressé, mais on s'en sort bien, finalement. Voilà, il règle le four. Donc lui, il fait cuire des aliments avec un four ouvert. Ah, il va y avoir quelque chose qui va me... C'est trop facile. C'est beaucoup trop facile pour que ce soit ça. Juste au cas où. Juste pour dire, voilà, je suis safe. Aucune idée de ce qu'il fait. Est-ce qu'il va refermer la porte? J'avais même pas vu ça. Et hop! Putain, quel génie! Putain, je suis si bon au jeu, c'est... Ah! On a une poignée. Pas compris. Ah si, il y a une manivelle.
J'ai un petit peu débordé là-dessus, je dois bien avouer. D'accord, il n'y a pas assez de saucisses. Bah quoi? J'ai pas compris. Faut que j'en mette plus. Oui. Ah. D'accord, il faut que j'aille chercher de la viande en haut. Faut que je découvre pourquoi il n'y en a pas plus. Waouh, c'est tellement bien écrit. Ça se tire, ça? Ça, c'est du jambon pourtant. Enfin, c'est de la viande en tout cas, mais. Je pense qu'on va pas rester ici très très longtemps. Il fait tellement froid. Tu sens le piège que quand je vais marcher dessus, ça va s'ouvrir. Arrête de le tirer, pousse-le juste. Non, non, non. Tu le pousses. Voilà. Il doit y avoir un truc à débloquer en haut. Si je vois qu'on peut escalader ici, il y a sûrement quelque chose à faire. Voilà, mon pote. Et en fait, parce que un seul morceau de viande, ça n'aurait pas suffi. Regarde ça. Je fais tellement le travail proprement qu'il y en a un de chaque côté. Ils vont pas tomber en même temps, du coup. Par contre, le s'il y a un tatarin et qu'il est là. Des fois, j'essaie d'écouter au cas où s'il arrive. C'est suffisant là? Oh là là. On est pendu à un chapelet de saucisses donc. Nickel. Je vous mets un petit peu de lumière. Parce qu'à vrai dire, moi non plus, je vois pas grand-chose là. Le soleil s'est levé enfin. Bon, faut dire qu'il est midi 9, hein. Donc il serait temps. Il serait temps, mon coco. Une phase beaucoup trop calme. Je peux me cacher ici. Bon à savoir. Vous avez vu ce réflexe de pro gamer? Ouais, y a plus rien. Qu'est-ce que... Ah, c'est du fromage. Vas-y, mets bien le morceau d'emmental dans ta poche là, ça va être super. Ça va être super. Ah, mais maintenant il sait. Et du coup, il va arriver. D'accord, donc il faut que je monte quelque chose pour ouvrir la porte. Ensuite, il y aura la clé à l'intérieur. C'est ça? Ou alors je me faufile derrière lui.
Non, d'accord, il suffisait juste de la tirer. Oh la vache, c'est... Ça me rappelle The Evil Within. The Evil Within. Si on veut carrément... Oh! Attends, je regarde un peu. Ah, ils ont fait tous les détails. J'ai envie d'éternuer. Du coup, je viens de voir la clé. Voilà, juste ici. Alors, il va falloir monter là-haut. Tac, tac. S'accrocher ici. Ah, mais qu'est-ce qu'il fait? Je vais attendre qu'il retourne vers la table du haut là. S'il le fait. C'est hyper oppressant cette respiration. Bon, tu y vas ou... Parce que moi j'y vais sinon. Je ratisse vraiment le truc, hein. Ok, il va falloir... Il y a peut-être un passage en hauteur avec les crochets là. Je sais pas trop. Bon. De toute façon, on va tester. Hop, get ça, get ça. Tu connais David Guetta? Bon, je sais pas comment je vais faire là par contre. Ah, j'ai pas la clé! Ah, je suis bloqué! Je suis vraiment bloqué. Il me voit pas. Par contre, du coup... Ouais, c'est ça. Et là, on est bloqué. Parce que du coup, je vais devoir remonter pour prendre la clé. Est-ce que je l'ai sur moi là? Je sais pas pourquoi je l'ai lâché tout à l'heure. C'est très étrange. Quand je suis rentré dans l'ascenseur, j'ai dû lâcher ma touche R2 et puis même pas m'en rendre compte au final. C'est bon, tu peux retourner bosser. Tu peux aller Ah ouais. C'est cool ça. Tu peux retourner aller maroufler tes trucs. Et nous on y va, hein. A plus, hein. Mais en fait, pourquoi ça le trigger? Enfin, je comprends bien qu'il se dit, ah, il y a un truc qui a déclenché le truc, mais... On n'aura jamais le temps. Si on a eu le temps. Ne jamais dire jamais! Tu peux t'en aller maintenant. N'hésite pas. Voilà, parfait. Bon, on s'en sort plutôt pas mal là-dessus. Ok. Et maintenant?
comme un vulgaire déchet. Ah, j'ai envie de tirer ça. La ventouse là. Mais on peut pas. Qu'est-ce que c'est? Non mais c'est sûr que c'est ça qu'il faut déclencher, mais il veut pas l'attraper. On a un cube. Qu'est-ce que je dois faire? Il y a un endroit où je dois viser et lancer quelque chose. Ah! Tiens. Mais c'est Excalibur en fait le truc, non? Parce qu'on est d'accord que je peux pas remonter. Ah, peut-être. Je crois avoir aperçu quelque chose. Voilà. On peut monter sur ces murs-là. Mais alors, pour aller où? Ça mène nulle part. Peut-être plus de ce côté-ci. En fait, vu que ça a, entre guillemets, le même pattern que les bibliothèques et tout ça, je me suis dit, on doit pouvoir faire quelque chose. Par contre, ça sent la merde. Surtout si ça me relève à chaque fois. J'aimerais t'en voir, Syracuse. Voir le palais Kékéro. Alors, j'essaie d'aller jusqu'au bout et on y est. Que faire? Que faire dès lors? On a 27 minutes, est-ce qu'on s'arrête ici? Et je pense qu'on va s'arrêter ici. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve très très vite pour la suite, c'est promis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, me dire en commentaire si vous avez aimé ce dernier. Et puis abonnez-vous pour ne rater aucune des prochaines vidéos. A très vite, ciao!